Ah bonjour à tous. Au moment où je vous parle, ça va bientôt faire 2 semaines que les cartes Wonkul sont sorties. Ne pas oublier le W. Et comme j'ai commandé un putain de pack légendaire à plus de 100 boules, bah je vais l'ouvrir avec vous. Et vous avez vu, j'ai des ailes. En fait, c'est parce qu'elles prenaient de la place, je savais pas où les mettre et on s'en fout. Mais pour être un petit peu original, je ne voulais pas l'ouvrir tout de suite dans la précipitation. Je voulais d'abord que vous les découvriez par vous-même. Donc c'est pour ça que je vous ai laissé 2 semaines. Et maintenant, je vais les ouvrir avec vous. C'est pas vrai, c'est juste que je viens juste de recevoir le colis. Il est là, regardez. Oh, il a juste eu 2 semaines de retard. Bon, allez, on l'ouvre. C'est bon, on prend des ciseaux. Petits ciseaux des hôpitaux là. Petits ciseaux qui sont allés dans mon cul. C'était quand j'avais mon gros bouton dans le cul. Hop là, il est ouvert. Oh, une boîte. Oh, let's go. Oh, c'est des bons culs. Oh, les bons culés. Et bah voilà, on va la mettre dans le décor. Elle va plus jamais bouger. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. On l'ouvre. Et y'a rien. Pas senti avoir des trucs là. Je crois que c'est tombé. Ah, ça commence bien. On va se régaler. Let's go, le pack opening. Oh, ça c'est le tapis. Le méga tapis de souris. Oh, n'utilise pas de tapis de souris. Donc, ça c'est une boîte vide. Ça c'est des cartes. Ça c'est les sleeves, c'est des pochettes. J'en ai là déjà aussi des pochettes, j'en ai déjà acheté. En fait ça c'est des pochettes que j'ai acheté pour des cartes Pokémon. J'en ai refilé 3 quarts à mon neveu, parce qu'il aime bien les cartes Pokémon. Et je lui ai offert à Noël, comme ça j'étais un super tonton. Et voilà, moi je offre des pochettes plastiques à Noël. Oh ouais, un t-shirt. Oh un t-shirt. Oh. Ben voilà. Bon bah on continue. Ça, c'est quoi ça? Oh il y a des autocollants. Ah ouais c'est vrai, il y a des autocollants, j'avais... Ah je tombe. Ah ouais c'est vrai, il y a des autocollants, j'avais oublié. Oh yes. Ah bah comme tous les autocollants, on va les voir, on va dire oh kigouli. Et puis après on va y mettre dans un tiroir et on n'y touchera plus jamais. Oh kigouli. Ah il y a Indiana Jones, un zombie, un donut, un Simpson là. Oh et... Il y en a d'autres? Je sais pas, non, il n'y en a pas d'autres. Il y en a 6, il y en existe 12. Voilà, j'ai payé un pack à 100 balles pour même pas avoir toute la collection. Vous imaginez ça un peu? Quelle honte un peu. Là, vont qui, donc, ils aiment garder leur argent et tout. Là, il y a des cartes postales. Désolé si vous m'entendiez mal de alors, en fait. En fait, je sais pas pourquoi, mais tous les youtubeurs qui font des machins, des mangas, des trucs, ils mettent des cartes postales avec. Ça sert à rien. Personne ne les utilise jamais. Mais elles sont là. Bah, merci beaucoup. Oh, un livre. Le guide du joueur. Je peux vous spoiler le livre si vous voulez. Hop là. Oh, je vous ai spoilé l'intro, je peux vous spoiler la fin. Hop là, je vous ai spoilé la fin. Oh, le gros pif là. Oh, le gros pif. Les règles du jeu. Et pas d'amis, de toute façon, ça sert à rien que j'ai release les règles du jeu. Oh, il y a toutes les cartes, on va pas spoiler. Je connais que quelques cartes qui ont été présentées dans les vidéos il y a longtemps. Mais c'est tout. Tout ce que je veux, moi, c'est mon youtubeur préféré. Hein. Je parle bien évidemment de JDG. Ah, il y a Jack Sparrow. Avec un bouton là. Enfin, c'est un poster ça. Waouh, on le mettra dans le décor peut-être. C'est pas vrai, j'ai plus de place dans mon décor. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est le classeur. Ça c'est le classeur. On va pouvoir ranger toutes nos cartes, mon cul. Oh, les vonculés. Passons à la partie la plus intéressante maintenant, c'est-à-dire l'ouverture des sleeves. Regardez, là, il y a les voncules. Et là, il y a le truc pour ranger les cartes. Voilà. Voilà, voilà. J'ai la boîte pour ranger les cartes. Je sais pas à quoi elle va me servir, puisque j'ai le classeur. Oh... une boîte. Hein. C'est pas vrai, je sais que c'est ça qui vous intéresse le plus. Et ben on va les ouvrir les cartes. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 boosters. Ok. On va l'ouvrir correctement. Hein. C'est-à-dire comme une grosse merde en déchirant tout le paquet. Ah, comment ça s'ouvre? Comme ça, c'est-à-dire, voilà comment on l'ouvre. Donc, nous avons... Oh, FNAF, oh, ça commence très très bien tout ça. Oh, ça commence très très bien. Attendez. Du coup, on va profiter de cette occasion. Du coup, je vais mettre ça maintenant. C'est pas moi qui ai choisi, c'est le jeu. Donc, FNAF, voilà. Gagnant, blabla, on s'en fout des effets. Vous pouvez les lire si vous voulez. Oh, on commence avec Terracid, déjà, directement. Et bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, j'ai envie de dire. Et bah, mal. Ensuite, on a le moine. Et bah, c'est le moine, écoute. Il est chauve, c'est... Oh, on a le clown tueur. On a Ripsou, là, il est là. J'ai jamais vu ça. J'ai vu un jour avec mon pote la première partie du vieux, mais c'est tout. Sinon, j'en ai rien à foutre. Oh, on a Gotaga qui brille là. Let's go, le Master Sniper là. Let's go, Gotaga en reverse. Ça
ça fait extrêmement mal de rester dans cette position comme ça. Vous voyez pas comment je suis. Là, je suis comme ça, je suis comme une mémé. C'est moi, la super vieille. Donc on a de Gotaga Kigui, on a du sel. Oh là là, ça c'est moi. Ça c'est moi sur Xenoblade, quand Kaki me dit de la merde. Agrou. On a un touriste, ouais. Oh, jolie face là, madame. Un astronaute, let's go. On va aller dans l'espace, là. Et on a un sorcier. Bon, et eh ben je sais pas si ça commence bien. Bah ben, on a eu Link, donc c'est pas mal finalement. Terrassi des FNAF, c'est bien moi je trouve. Avec... Oh, avec la saucisso factory. Oh, il y a Micromania. Big Micromania là. On va se faire arnaquer et tout. Ouais, c'est tellement de la merde Micromania. Les jeux d'occasion qui coûtent même parfois plus cher que le jeu neuf, c'est... Ça bien, hein. Micromania. Hein. Doc, on va en retour, let's go. Oh, je suis comme Doc là. Allez, on est parti. On est là, on est parti. Waouh! Vous savez pas en fait, mais je viens du passé. Du passé d'il y a 5 secondes. On a la princesse, let's go! On a eu pêche là. Les pêches. Oh, on a le policier qui brille en reverse là. Mais je m'en fous du policier. Oh, let's go, on a la pute. Hop là. On a la pute. Ouais! Ah, c'est bien ça. C'est intéressant. On a le garagiste. On a Agrou encore. Agrou méchant. Et ben, on a déjà une double, c'est... ça commence bien. Oh, on a Monopoly. On a le Monopoly man. On a le paysan. C'est très bien le paysan ça, c'est super. Ouais, les pauvres tout ça. C'est quoi ça? On a Moria, let's go. Et bah j'ai pas la ref pour là pour le coup. Ah, on a Ogre Rondin. On a le policier. On a la princesse encore, la deuxième. Ça sert à rien elle. On a Jiraya, let's go. Quelle belle calvitie tout de même. On a Pierre Rondin en brillant. Brillant, Pierre Rondin en brillante, let's go. Il a un d'attaque. Enfin je sais pas si c'est attaque, c'est engagement. Il a un de puissance. La rare, la moins rare. On a le fermier, un météracide, le SDF Link, cuisiné, et on a le vendeur. Beco sympa tout ça, c'est sympa. Bon, donc on a un navire pirate, pouvoir jouer assez hostile tout ça. On a Professeur Letton, on le Jiraya encore, le moine encore, oh là là. Oh, on a Cowboy, on a Jesse Macri, là, le mec qui est dans la morue rouge de la Redemption 2, je crois. Je sais pas, j'ai pas joué au jeu. On a le sel encore, c'est bien, moi j'aime bien le sel en vrai. J'aime bien quand je mets du sel dans mes pattes, c'est bon. On a Grudge, ouais. Moi aussi, j'ai regardé quelques findings de Feldup. C'est le chien. On a le fermier. Et on a le sorcier. On a le manoir qui a pris feu, là. Le manoir unique, hein, exactement, tout ça. Ils l'ont brûlé. C'était des bâtards. Là, on a Janine. Oh, on a des Hotoons, incroyable. Oh, il y a des Hotoons, incroyable. Il y a des Hotoons, c'est Diablo derrière. Oh, c'est incroyable, ça. Oh, on a JDG, c'est incroyable. Oh, on a JDG, c'est incroyable. Avec sa tête de vainqueur, là, regardez-le. Incroyable, on a JDG. On a le JDG. On a le Doc encore. Pas encore, c'est la même carte. En fait, ça c'est la carte du passé qui est revenue dans le présent. Parce qu'elle veut nous faire chier. Voilà, c'est tout. On a Gotaga en reverse encore, enfin en brillante. Le boxeur Terra, le meilleur. Non. On a un astronaute. Astronaute Terra. Pour avoir le combo de l'espace. On a l'employé Wagdo. Ah. Oh. Oh, ça voit la pire et la meilleure. Le pire, le meilleur unboxing de cartes que j'ai jamais fait sur la chaîne. La pire, parce que ça fait extrêmement mal au dos. La meilleure, parce que c'est la seule. Et on a un SDF, encore. Let's go, on a le combo SDF. Le combo sans abri, là. D'ailleurs, il va falloir que je me remotive un petit peu si je veux pas finir comme eux. Hop là, regardez-moi comment on l'a bien ouvert, là. Oh, vous voyez pas. Si vous voyez, j'en sais rien si vous voyez. Oh, let's go, on a... à convention. Parce que j'irai jamais en convention. Parce que c'est de la merde, hein. Et puis j'aime trop l'argent pour l'utiliser dans un menu manga à 10€. Là. On a Jacques Flantier. On a le policier encore. On a le roi. C'est le roi Louis. Le roi Terra Louis numéro. Oh, on a André Rodin en brillant. Trop bien. On a la paire d'un brillant. On a la vieille, let's go. Let's go, on a la vieille. On a la vieille. Oh, let's go. Oh, le chevalier. On a le débile. Let's go, le débile. Débilink. On a débilink. C'est trop bien, débilink. On a le fromager là. Il s'appelle comment déjà le youtubeur fromager là qui s'appelle des fromages. Je l'ai vu hier, il a découpé un parmesan en deux. Surprise. Oh là 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 là. Ça crisse sous la dent. Oh voilà, c'est tout. Et on a un mort-vivant. Pof. Ah ah, cette fois je les ai mis à l'envers. Ah, vous vous y attendez pas, hein. Vous vous y attendiez pas cette fois que ce que j'ouvre de correctement, hein. Et hop. C'est quoi? Quantum. On a eu le quantum. Le quantum là, on a encore André, mais il me pète tes couilles en vrai. On a la fine girl, ouais, bah c'est pas vraiment moi ça. On a Marty, oh let's go. Oh, let's go. Faut qu'il aille baiser sa maman. On a Wicromania, oh, en brillante, c'est cool ça. Regardez, là c'est marqué Wicromania. Sur la brillante, t'es pas là.
Voilà, voilà. Super connerie. C'est bien, super connerie. On a le Grudge encore. Il s'en fout du Grudge. Oh, on a le vendeur, c'est cool. Mais j'avais pas vu, il y a. C'est quoi son nom à Goosey Gloom derrière? Bah, je sais plus. L'employé McDo numéro 2. Let's go. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi pendant la pause. La pause à Carrefour. Ouais, parce que je travaille à Carrefour pour les vacances. Ça, c'est un paysan. Alors, bon cul. À sa place sous la terre, là. Le paysan, ce techno, là. Hop, Space Factory. Let's go, on a eu un terrain. C'était quoi là, le survivant? Il a survécu. Bon, ça me pète les couilles, ça. Let's go, délire. Oh, trop délire. On a la vieille encore. Oh là, le survivant. Acte 2. Tun, 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 tun. Et ben, l'inc supérieur, je crois que c'est ça que ça veut dire. L'inc nous cache clairement des choses. Let's go, Steve. Avec le chevalier derrière, on s'en bat les couilles. Et la grue derrière aussi, on s'en bat les couilles. Let's go, on a Steve là. Je suis en train de chercher un truc Minecraft, mais je crois que j'ai pas de truc Minecraft. Tant pis. Agro, le businessman et un SDF. Ok. Et ben. On a pas eu grand chose, hein. Oh, le portal. On a un portal dans portal. Pour ouvrir des portals afin d'avoir des portals. Bah voilà, c'est cool. Oh, on a le sale japonais. Je suis japonais, Domo. Domo, Domo, le fils du soleil. On a pas le double. Ah merde, j'ai craché sur mon téléphone. C'est bien. Ah merde, merde, j'ai cassé l'appareil photo. T'as fait le double, let's go. Moi je dis tout le temps fait le double depuis l'arc Théo Babac, mais bon. Attends, vous l'appelez fait le double. Fait le double, fait le double. Plus le hasard a voulu que je regarde plein de vidéos de fait le double cette semaine. Le hasard a voulu donc que je sois bien traumatisé ces nuits, voilà. C'est comme ça que j'ai appris que si je devais mourir, et ben je mourrais. C'est quand je me baladais dans les noirs chez moi, tout seul, et que j'avais peur, et ben j'ai appris la phrase, si je dois mourir de toute façon je mourrai, alors tant pis. YOLO. Et c'est comme ça que j'ai pu arrêter d'avoir peur du noir. On a la prostituée. Et on a le survivant. On a les deux survivants ambiantes. Let's go. Trop bien. On a l'elfe. On a tombé l'elfe de maison là. On a un cochon. On a un cochon. On a un cochon. On a la belle. Et on a le sorcier. Ah, c'est le deuxième sorcier. D'accord. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas lu. Ramène. Exactement. C'est les zombies là. Toujours bien cet endroit. On a le salon brillant. On a le salon shiny. Let's go. Let's go le salon shiny. C'est le sel ultime. Le sel qui est bien salé là. Le sel qui vient de la mer pas polluée. C'est lui. C'est le sel. Et on a Janine aussi. Janine. C'est Janine quoi. Puis on a l'enquêteur. Qui va enquêter sur pourquoi j'ai eu que de la merde. Le CT. Qui nous fait piocher une carte. Puis on a aussi Gotaga qui brille pas cette fois-ci. Oh là là, tellement triste pour lui, le pauvre. On a le fermier également. Le fermier qui va à la campagne. On a le vendeur qui va vendre. L'astronaute qui va astronner. Et le touriste qui va tourismer. Et bah c'était bien de la merde. Oh, on voit le soutif. Ah, oh, c'était elle, son beau cul qu'on voyait tout à l'heure. Oh merde, je me suis fait brain. Ah, je me suis fait brain par l'angle, c'est ça. Oh putain. Oh non. Oh non, je me suis fait. Oh. Oh, je me suis fait niquer. Oh, péché. Bon bah voilà. Ah, bah mon téléphone vient de s'éteindre. Il n'y avait plus de batterie. Ça a tenu tout pile. Incroyable. Incroyable. Maintenant, on a une belle boîte vide. Trop bien. Bon, bah maintenant, moi, je les range et je vous rappelle après. Oh, c'était le deuxième à goût. J'ai même pas remarqué. Du coup, on a les deux à goût. Je vais vous expliquer comment j'ai rangé mes cartes. Donc d'abord, là, on a tous les youtubeurs, les influenceurs du net, de l'internet. Bon, eux, par contre, ils sont hors catégorie, hein, parce que je les regarde pas, donc j'en ai rien à foutre. Dommage qu'il n'y avait pas l'un qui serait plus haut.
que de Séracide. Puis là, j'ai voulu commencer à mettre les cartes brillantes. Donc d'abord, on a le policier qui regarde les deux survivants. Parce que là, ça, c'est les émeutes, Naël, tout ça, tout ça. Du coup, bah, c'est eux qui ont survécu à la police. Puis après, il y a le sel parce que les rageux, ils sont pas contents. Les gars de la droite, là, ils sont pas contents que les Arabes, ils fassent de la merde avec Naël. C'est pas ça, l'histoire. Puis là, on a un cowboy et Wicromania parce que je sais pas. Donc maintenant, laissez-moi être votre professeur et vous raconter ma petite histoire. Donc d'abord, avant, il y avait une fangirl de Link et Terracid. Regardez, on peut voir avec son cousin, là, moins de 18. Puis après, avec tous les trucs sur Twitter, on balance ton influenceur, tout ça, c'est devenu une pute. J'en dirai pas plus. Hein. Puis après, la pute s'est transformée en Janine parce que... Puis après, elle est devenue vieille. Et puis, il y a un sorcier qui l'a transformé en cochon. Puis après, il y a Marty et Doc, mais là, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que c'était des cartes que... Bah, parce que faut que je range les autres cartes. Donc là, il y a Marty et Doc, c'est un japonais. Il y a le débile qui regarde le roi et le roi qui juge le débile. Regardez-le avec sa grosse tête, là. Ouais, donc là, il y a les astronautes et Annabelle parce que je sais pas. Là, il y a la princesse pêche, là, il y a le sel, le rouge, les touristes, parce que je me suis fait brain. Là, il y a FNAF, parce que FNAF, c'est bien. Puis après... À peu près, là j'ai eu la flemme. Là-dedans il y a toutes les cartes que j'ai pas mises. Bon, là il y a les deux SDF parce qu'ils sont premiers quoi. Voilà. À la fin on peut voir les paysans, là, la plèbe, les gueux, les cutéreux comme on dit. Donc on s'en fout un peu finalement. Et voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Et si tu l'as aimé, bah c'est cool et abonne-toi. Et mets un pouce. Si tu l'as pas aimé, bah de toute façon c'est trop tard, tu l'as déjà vu. Eh, t'es niqué. Hein. Eh, t'es niqué. Oh.